Comme chaque matin, depuis maintenant 5 semaines, elles sont là. Près de 60 personnes, majoritairement des femmes. D'abord pour témoigner un soutien à Gisèle Pelicot qui, malgré elle, représente désormais un combat. Elle a l'âge de ma mère et puis on pourrait toutes être à sa place. Et moi, le jour où je serai à sa place, j'espère bien qu'il y aura des gens qui viendront me soutenir et qu'il y aura une justice qui fonctionnera et qui aura évolué. Soutenir, mais aussi comprendre peut-être un peu la société qui nous entoure. C'est le cas de cette dessinatrice d'audience venue spécialement de Genève pour ce procès. Au final, ce procès, il résulte d'une seule chose, c'est que on ne sait pas en fait qui on a autour de nous, quoi. Dans l'après-midi, la Cour a examiné les faits concernant 3 accusés. Tous contestent la qualification de viol et la partie civile demande le visionnage des vidéos. Alors que Dominique Pelicot lui-même se cache les yeux, le public, lui, est confronté à l'horreur. Moi, j'ai pas regardé tout le long parce que c'est insoutenable de voir ça. Et en fait, moi, j'avais l'impression que c'était pas des humains. Enfin, vraiment, c'était. On avait l'impression que c'était des bêtes pervers. J'ai eu le sentiment de pas vouloir regarder les vidéos parce que je me suis dit, si je les regarde, peut-être que j'aurais du mal à me regarder dans la glace. Voilà. Et j'aurais du mal à croiser le regard de la victime. Merci à vous. Hier, pour la première fois, Gisèle Pelicot est allée à la rencontre du public. Un soutien indispensable car chaque journée est une épreuve et cela va durer encore 2 mois et demi.